était ouais. bien plus active que vous. Ah bon, très bien. Eh bien, re, mesdames et messieurs, et il est 6h35, et c'est parti pour l'émission suivante. Il est temps de contacter Valérian Yorner. J'ai besoin de savoir où se trouve Jim. Alors, j'ai trouvé personne pour le bot, mais je pense que les gens vont se réveiller vers 7h30, donc j'espère que ça passera. Je suis désolé, je n'ai aucun contrôle là-dessus. J'avais demandé à ce qu'on le désactive pour la nuit, ça n'a pas été fait. Donc, sorry, j'espère que ça va se régler très rapidement. Et on va finir Art of the Swarm aujourd'hui, mesdames et messieurs, tout à fait. Donc voilà, tu ne parles plus aux scientifiques rageux. Mais parce qu'il n'y a rien à dire. C'est reparti. Kerrigan, nous l'avons trouvé. Où ça? Il est détenu à bord du Moros, un vaisseau prison qui effectue des sauts en hyperespace toutes les heures vers des coordonnées aléatoires. Il n'y a aucun moyen de prévoir où il effectuera son prochain saut. Il doit forcément se ravitailler de temps en temps. Exactement. Nous savons que le vaisseau sera dans la station Atlas demain pendant 32 minutes. Atlas enverra un ravitailleur vers le Moros, mais il repartira dès qu'il aura fait son office. Tosh, notre associé, s'est porté volontaire pour infiltrer. Non, vous avez fait votre part. Tiens, Tosh! Je ferai le reste moi-même. Soyez prudent, Kerrigan. Comparé à ça, New Folsom était un jardin d'enfants. Eh ouais, il voulait mettre Tosh dans le coup, machin. Vous savez, le fantôme Rastaquer, qui était bien content, qui était là. Oui, moi j'adore les petites expéditions, machin. Eh ben non. Eh ben non, du coup. Voilà. Bref. Kerrigan a décidé d'infiltrer le Moro sans l'aide des rebelles de Raynor. Son Léviathan lui fournira des renforts. C'est parti. C'est parti! Ah bon, très bien. Je suis dedans. Vous apparaissez sur nos capteurs. Je vous transmettrai nos données tactiques. Faites attention, Kerrigan. Mon père aura pris toutes les précautions pour s'assurer que personne ne s'approche du commandant Raynor. Il n'y a pas de précaution contre moi. Alors par contre, concernant la discrétion... Votre reine vous écoute. C'est-à-dire que là, si je reste comme ça... C'était quoi ce bordel? Personne ne sait que je suis là. C'était quoi ce bordel? Je suis les saints. Oh là, d'accord. Donc, ça, c'est pour savoir si on gère les pouvoirs de Kerrigan. Ah d'accord. Je me disais aussi, c'est bizarre, les casus n'y arriveront pas. Allez, go! Déclenche l'alarme! La plateforme s'est rétractée. On fait go. C'est parti! Soldats du Dominion, ce navire est attaqué par la Reine des Lames. Vous savez ce que vous avez à faire, messieurs. Vous devez la buter! Les saints. Et là, le truc de la vitesse d'attaque de Kerrigan, à mon avis, c'est trop énorme. Totally worth it. Oui, je suis les saints. Ah! Donc là, on est en normal, donc j'imagine qu'on a plus d'unités que dans un mode plus dur. Ils ont scellé la première cloison. Vous allez devoir forcer le passage. Je fais ce que je veux avec mon Kamehameha. Protège-moi avant que je m'occupe de ça. Très bien. Messin répond à votre appel. Ah bon? Elle entre dans la zone de haute sécurité. Arrêtez-la maintenant. C'est rigolo ça. Grosse sécurité du coup, bon on est en normal, c'est normal. Bravo à l'attaque! Envoyez des renforts! Je
arme lourde dans la poche. Soyez prudente. Oh merde. Serviteur, défendez votre règne. Mais pas assez pour Paradis de Noël, c'est dommage. Allez, go! C'est pas assez pour le paradis de Neural. Je vais essayer d'avoir assez. Oh, c'est mort. Bon, c'est mort, je crois jamais assez. Go! Kerrigan, ici Horner. Le poste de sécurité près de vous contient le registre des prisonniers du vaisseau. Si vous avez l'occasion, prenez tout. On verra ce qu'on pourra en faire quand Jim sera en sécurité. Kerrigan, il y a un grand nombre de gardes à proximité. Si j'implante des virophages ici, les contaminés réduiront ses défenses à néant. À vous de voir. Ah oui, les trucs des infestateurs. Oh ! Nice. Go, le tuer, lui. Non, toi, là. Go, là. Nice. Les saints triomphent. Par où ils vont, là? Ah oui, ils vont par là, d'accord. Résolument. En fait, faut que j'amène Kerrigan et non pas les infestateurs. Notre conquête se poursuit. Très bien. Allons par là. Faites vos prières. Niveau 56. Résolument. Niveau 56. Niveau 56. Niveau 56. On va attaquer de ce côté. Ah! Oh fuck. Oui, Kerrigan. C'est bon. Voilà. Voilà. Je suis en train de les massacrer. Impunément. J'aurai ma revanche. Impunément. Notre conquête se poursuit. Ah, je me disais aussi, c'était bizarre. Ça avait l'air dur. Meurs. Meurs. Oula, oula, oula. Je cherche le deuxième message privé. Je vais essayer que ce soit pas ici. Oui. Là, j'aimerais bien Pex, mais niveau. Ce serait pas mal. Nous nous adaptons. Là, y'a quoi? Y'a rien. Peut-être sur les falaises. Ça m'étonnerait, mais. Ah, d'accord, on va y aller. Notre conquête se poursuit. Ok, j'ai pas trop envie d'aller là parce que. Il va forcément y avoir un endroit que j'ai pas vu. Non, fuck! Bon. C'est juste pas possible! Détruisez le couplage! Larguez le pont carcéral! Vous avez entendu les ordres? Détruisez-moi ça! On se débarrasse des prisonniers! Ah bon? Ils vont tuer Jim Raynor! Votre règne vous est. Ah, faut que j'y aille avant de. D'accord. Voilà, tout va bien. Perds plus d'HP. Je suis saint. Bon, j'ai pas trouvé les documents secrets. Tant pis. Fuck my life. Kerrigan, je ne pensais pas que vous seriez ces idiotes pour venir ici. Et maintenant, vos actes vont causer la mort de tous ces braves citoyens. What the fuck? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ce sont tous des héros, prêts à sacrifier leur vie pour mettre fin à votre misérable existence. Eh oui, détruis le vaisseau! Vous et James Raynor, vous pouvez brûler ensemble. Kerrigan, nous venons de voir le pont exploser! Le Moros est en train de s'auto-détruire. Vous devez sauver Jim. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Aïe, mais... Genre le vaisseau qui se détruit en 15 minutes. Très bien. Très réaliste. Feu, bon
Feu, bande de crétins! Ah, c'est marrant. J'ai perdu une aberration, fuck my life. Les mon avis, si on fait tout droit à plus clic, on devrait gagner à cette fois. Oh, et merde! Courez! Et merde! Où est-ce qu'on va? On manque la moitié du vaisseau. Ça suffit. Défusez-moi cette porte. Je cherche les documents secrets. Hein. Évidemment. J'en rêve. Quel qu'il y a encore. On cherche les documents secrets. Tout le monde aux capsules de sauvetage. Allez. Allez. On est sur le pont carcéral. Il n'y a pas de capsule. J'ai pas envie de mourir. Massacrez chez moi. Où sont les documents, bordel? Parle. Les saints triomphent de tout. Ouais, ouais, c'est pas là. Nous adaptons. Les documents, les documents. La mort vient d'en haut. La mort vient d'en haut. Vient du ciel. Bon, les documents. Ah là, ils sont là, c'est sûr. Oh, c'est tellement sûr et certain qu'ils sont là. Ouais, ouais, c'est sûr. Allez, ils sont là. Voilà. Bien reçu. Merci, Kerrigan. Nice. Niveau 57. Nice, go. Laissez-nous entrer, espèce de salopard. Laissez-nous entrer. Ils sont les milliers. Sonnez l'alerte. Oh mon Dieu. Ça suffit. Go. Si on doit mourir, ces saloperies tomberont avec nous. Les vaisseaux pirates tombent en morceaux. Les ultras. Vous devez faire vite, ma reine. Les ultras. Haute sécurité, mon cul. Go. Bim, j'ai tué un ultra disque. Stabilise cette section du vaisseau avec le Léviathan. Y'a un cadavre. Ah bon. C'est fait. Tiens bon, Jim. J'y suis presque. Et là, Jim est à l'intérieur, complètement bourré. Que tu viendras jamais. Oh putain, cinématique, je me tais. Tu es la reine des lames. Tu étais le seul à avoir cru en moi. Est-ce que tu crois encore en moi? Je t'aime, Jim. Ne l'oublie jamais. C'est fini. Apparemment, vous avez eu une pub, mesdames et messieurs. Pendant cette cinématique, voilà. Comment vous dire? Je vais vous la repasser, je pense. Je suis désolé, c'est pas moi qui contrôle ça. Je vais vous la repasser. Vous disposez de cap. Je vous la repasse tout de suite, mesdames et messieurs.
si je la trouve. Voilà, je vous la repasse. Jurer de tuer la reine des lames. Tu étais le seul à avoir cru en moi. Est-ce que tu crois encore en moi ? Je t'aime, Jim. Ne l'oublie jamais. C'est fini. J'avoue qu'il y a un mec qui a dit... On se demande comment il a encore son flingue en tôle. J'avoue que c'est assez bizarre, mais bon. Bref, passons. Jim va bien, il est à l'infirmerie. Mais je ne sais pas s'il veut parler à... C'est à vous que je veux parler, Valérian. Vous réalisez que je vais me rendre sur Coral, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez l'intention de tuer mon père. Ça lui pend au nez depuis trop longtemps. J'ai besoin de savoir dans quel camp vous êtes. Dans celui de mon peuple. Je sais qu'il n'y a plus de rédemption possible pour mon père. Et qu'il faut lui reprendre le pouvoir. Je suis heureuse qu'on se comprenne. Mesdames et messieurs, nous approchons de la fin de cette campagne. Je vais aller chercher mes trucs de niveau 50. Ma reine, vous irradiez de puissance. Vos capacités ultimes sont éveillées. Ah, je suis niveau 66, oh ouais, d'accord. Alors, Apocalypse, cette capacité de par son temps de chat. Inflige 300 points de dégâts aux unités ennemies, 700 points de dégâts aux bâtiments ennemis sur une large zone. Invoque un Léviathan, une puissante unité volante à vie, minutée, qui inflige des dégâts importants et dispose de capacités basées sur l'énergie. Débarque les zergs primordiaux avec une vie minutée sur le champ de bataille. Les capsules de débarquement contiennent 40 zerglings, 5 cafards et 5 hydras. Je vais prendre ça. Et on approche de 7h du matin, donc je pense que Yogo va pas tarder à se lever et arriver. Peut-être que lui pourra couper le bot. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous pourrons bien évidemment, eh bien, continuer de façon pépère. Go fausse d'évolution. Alors, on a une mission d'évolution disponible. On va tout de suite aller voir, à mon avis, c'est pour les... Souche essaimeur, prête. C'est pour les essaimeurs. On va aller voir ce qu'il nous propose pour les essaimeurs, même si je n'en frappe pas. Il a vu le nombre de cafards, il a pas cherché plus loin. Oh la vache. Le Léviathan est Uber Cheat Zerator. Ouais, mais ça me saoule d'avoir une idée de plus à gérer en gros, donc je vais faire surtout de la masse. Et voilà. C'est parti. Planète Kruxas 3. Nouvelle Babylone. Découverte d'essence sur le territoire du Dominion. Espèce insectoïde autochtone. Essence dépositaire de séquence pour souche SMR. Très bien. Récupération de l'essence depuis le nid. Possibilité de production de nuisibles volants par les SMR. Ah ouais, pourquoi pas. Et le Dominion nous fournit les cibles idéales. Pourquoi pas. Donc des unités volantes pour les essaimeurs, mesdames et messieurs. Et voilà. Allons-y. Go. Blocage de la route par les troupes Terran. Extermination pour continuation. Ah.
Donc là, en fait, ils sont pas invisibles, vous voyez ce que je veux dire. Et il aurait fallu que je choisisse l'amélioration pour... pour rendre invisible. Augmentation des séquences SMR. Donc ça va faire des unités volantes. Ah, ils sont dégueux. Interférence des troupes Terran au sol. Utilisation de la souche Charognard. Supériorité aérienne. Nouvelle souche, Charognard. Production de nuisibles avec capacité d'envol. C'est quand même stylé, ça. Commencez à attaquer. Enracinez-vous ici et détruisez le silo à missiles. J'avoue que c'est quand même stylé. On y va. Un silo de moins. Avancez. Nous allons nous occuper de ça. Ah merde, c'est vrai que j'avais... Vite, 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 vite. Ah merde. Je suis stupide, hein. Pourquoi je suis stupide? Pourquoi je suis stupide à votre avis? Je sais pas. Et voilà, on va courir à vie maintenant, génial. Hein? Très bien, Zerator, très bien. Parce que je croyais qu'ils étaient invisibles. Avant ils étaient invisibles, maintenant ils sont plus invisibles. Bon, très bien. Voilà, voilà. Allez, meurs. Essais meurs. Ce sont les essais meurs. Hop. Voilà. Plop, 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 plop. Go. C'est parti, mesdames et messieurs. Waouh. Destruction des silos nucléaires. Disparition de l'obstacle à l'invasion de l'essaim. Préparation du test suivant. Très bien. Préparation du test suivant. Planète Ignus. Décès récent de mer découvée. Lignée en péril. Lignée en péril. Nul. C'est stylé, mais on sait tous que tu ne vas pas l'utiliser. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Organisme autochtone. Vert de cendre. Destruction de la couvée de l'essaim. Ah, ça va faire des nuisibles banlings, c'est ça? Des nuisibles qui se suicident. Non, c'est pas ça. Forage à travers la croûte rocheuse. Fuite rapide, insaisissable. Voilà, pour pouvoir se déplacer sous terre. Utilité de l'essence pour amélioration de l'SMR. Captation des séquences. Voyons voir, voyons voir, je ne sais pas. Top, 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 top. Oh, se calme. Se calme, ça. Go! Allez, micro. Organisme vert. Forage de la croûte. Fuite vers nouvelle localisation. Poursuite. Poursuite. Sujet, verbe, complément, abattue. Sujet, verbe, complément. Allez! Allez! Ah merde! Allez! Ah merde! Allez! Très bien! Essence récoltée. Injection du trait dans la séquence SMR. Ah, voyons voir. Souche muconaute. Forage de la couche planétaire. Réapparition à la localisation désirée. Ah d'accord! Attaque de la couveuse. Utilisation de tunnels profonds des SMR. Ah d'accord. Défense de la colonie. What? Oh putain, c'est trop imba. Trop imba. Beaucoup trop imba. Donc c'est n'importe où sur le creep en fait. Ah oui, c'est vrai que je suis pas sous terre, j'ai encore oublié. Je vois si je fais ça. Attaque en cours sur la colonie secondaire. Oh putain! Défense. Troïmba, Troïmba. Hop, téléportation, allez hop là. Ah ça c'est pas mal. Ça me donne presque envie d'en faire. Ça, ça me donne presque envie d'en faire, je vous avoue. Wouhou! Très bien. Réussite de la défense des colonies.
Mort du Dominion. Mort. Préparation des séquences SMR pour intégration. Et en plus, il pose du creep, c'est pas mal ça. Retour à la fosse d'évolution. Ce qui fait que vous en posez un, vous amenez les autres après. Séquence stylé. Prête pour ça, intégration. Ça, je prends ça direct. Souche. Oh là là là. Je sais, ça lag quand il y a ça. C'est à cause des effets graphiques, tout ça, etc. Enfin bon. Bref. Alors, voyons voir. Nous allons partir en migration. Informe les mers éprouvées. Les saints se rendent sur Coral. Arcturus Mengsk va enfin souffrir pour ses crimes. Hop, je suis en train de dire à tout le monde que je vais bientôt finir la campagne et que je vais prolonger un peu le live. Et Yogo ne s'est pas levé, il est 7h02. Donc c'est plutôt marrant. Ok, bah heureusement que je suis là et heureusement qu'on n'a pas fini. Je me rends sur Coral. Il est temps. Pourquoi nous dites-vous cela, Kerrigan ? Je vais semer la ruine, la destruction, le chaos pourrait faire des millions de victimes. Valérian, votre peuple va avoir besoin d'un chef. Vous avez raison, Kerrigan. Si je dois être ce chef, j'ai une seule chose à vous demander. Faites atterrir votre essaim à l'extérieur de la ville. Ça nous laissera le temps d'évacuer. Coral va être le combat le plus dur de toute ma vie. Et vous me demandez de le rendre encore plus difficile ? Oui. Je me trompais sur votre compte, Valérian. Vous n'êtes pas comme votre père. Je vais vous donner votre chance. Tirez-en le maximum. Sympa ! Sympa, la meuf ! Eh oui, je suis en grand. Bonjour, comment allez-vous ? Il est temps de dormir. Pas du tout. On va finir cette campagne, mesdames et messieurs. On va finir cette campagne. Et on en est proche, il reste une ou deux missions, grand max. Donc voilà. Et vous avez vu, je vous fais plus de coupure pub évidemment, puisqu'il y a le bot, donc je vais pas vous faire subir ça. Par contre, dans une trentaine de minutes, il y aura la coupure VOD, bien évidemment. C'est parti pour la parole. Je n'ai jamais vu autant de Terran. Ils rappellent tout ce qu'ils sont pour protéger ce monde. Leur défense orbitale tuerait des millions des nôtres avant même qu'on touche le sol. Les Terran n'ont aucune chance. Nous sommes innombrables. We are the Swarm. Nous sommes les saints. Je peux sentir des ondes à large fréquence émanant du palais d'Auguste Grad. Oui, je le sens aussi. Je peux entendre. Trône des Dominions, ici votre empereur, Arcturus Mengsk. Coral subit l'attaque de l'Essain Rigueux. Le laboratoire d'armes expérimentales a été détruit, nos défenses réduites à néant. À tous les vaisseaux qui reçoivent ce message, revenez sur Coral. Le siège du pouvoir humain est attaqué. Venez, soldats, défendez votre foyer. Tu te sens piégé comme un rat en cage, n'est-ce pas, Arcturus ? Ma reine, l'essaim est assemblé près de Coral. Les mers découvées attendent vos instructions. Dis-leur de tenir la position en orbite, de rester hors de portée des défenses de la planète. Les flottes du Dominion convergent vers notre position. Les troupes Terran arrivent du secteur tout entier. Mère découvée Kilissa, écoute-moi. Tes Léviathans doivent faire blocus. Tue tout ce qui pénètre notre système. Rien ne nous arrêtera. Coral m'appartient. Très bien. Je crois qu'on est paré, mesdames et messieurs. L'essaim est en train de s'occuper des défenses orbitales de Coral. Nous sommes prêts à lancer l'invasion de la surface. La cinématique ! La fameuse cinématique dans laquelle on arrive, on défonce. Ma reine, nos Léviathans sont en position. Déchaîne l'essaim. Nous allons perdre un très grand nombre de capsules pendant la descente. Nous en larguons des millions. Même si une infime partie parvient à passer, ce sera plus qu'il n'en faut pour détruire les défenses orbitales depuis le sol.
Là, ça sent la fat mission. Quand même. Les capsules de débarquement Zerg arriveront graduellement et sur une zone étendue. Soyez prêts à diviser vos forces en différents points d'un grand champ de bataille. Oh yeah. Bon allez, c'est parti. Amont et un masse capsule. Un lanceur de billes est passé au travers du réseau orbital de défense. Des cercles, explosez-les. Les troupes au sol du Dominion ont sécurisé cette zone. Nos lanceurs de billes ne pourront pas survivre sans soutien. Je vais m'en occuper, personnellement. Mais Kerrigan ! Et boum ! Envoie toutes les capsules. Il faut les concentrer sur cette région. Préviens-moi dès que l'une d'elles réussira à passer. Je m'assurerai de la survie du lanceur. Évidemment, la capsule de Kerrigan, elle a pas été détruite en vol. Hein. Ça aurait été con, hein. Bon, bah, elle est morte. Et bah, fin de la mission, GG Noreux. Bon, bref. Les cinq. Le premier lanceur de billes et son escorte pénètrent dans l'atmosphère de Coral. Montre-moi où il va atterrir. Il arrivera ici, ma reine. Votre reine vous écoute. Nous sommes sans limite. Wouh ! Résolument. Il faut faire des drones, mes amis, il faut faire des drones. Vous avez fait une grave erreur en posant le pied sur mon monde, Kerrigan. Je vous renverrai dans le trou infernal d'où votre essaim et vous êtes sortis. Ça va, Nora, je m'excuse, c'est bon. Le mec rage tellement, quoi. Oh, il arrive quand, le truc, là? Le lanceur de vomi, là. Bon, on va faire tous les bâtiments. Ouais, Benling. Hydra. On va faire... Je pense qu'on va faire des Swarm Host, là. Des essais meurs. On va faire des essais meurs. Hey, c'est des capsules de merde qui tombent. C'est des bouts de capsules. À la con. Le lanceur de billes est en train d'atterrir. Il sera vulnérable pendant un court moment. Oui. Oui. Macro Hatch. Bien évidemment, Macro Hatch. Le réseau de défense Draken du Dominion détruit la plupart de nos lanceurs de billes en orbite. Ça veut dire que nous ne devons pas perdre ceux qui réussissent à passer. Voilà. Alors là, vous voyez, la minimap pour l'instant est toute petite. À mon avis, ça va finir par être un peu plus gros. Tac, on va faire la Spire également. On a pas assez de gaz. Allez, l'autre va atterrir là-bas, le prochain. Il faut qu'on trouve une B2 rapidement. Oh merde. Ah, maintenant, quand ça détruit les tumeurs muqueuses, on peut quand même les refaire. Jeu de casu. Wouah! Je dis ça, mais bon. Du minerai ici. On va d'abord faire la base tranquille. Des macro hatch encore une fois. Voilà. Hop. Parfait. Donc les swarms machin là, ça se fait avec les quoi déjà? Les irglings? Les machins? Les irglings? Non, c'est ça. C'est le A. La touche A. Ça coûte la peau. Ça coûte un peu la peau, oui. Quand même, mais c'est pas grave. Je suis les saints. L'heure est venue. Halte-nous. Aïe. Le lanceur de billes suivant est en train de traverser les défenses de Coral. Aïe. J'aurai ma revanche. Ah.
ces portes mènent dans la capitale d'Eran. Si vous les détruisez, ma couvée pourra pénétrer dans Augustgrad. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Bien pensé. Je défoncerai ces portes, j'ai le temps. Alors, bon, on va en enterrer deux ici. Oui. Je pense qu'on va se servir des swarms machin pour défendre la base. Hein. Ça me paraît être une bonne idée tout ça. Oh la vache. Ah y'a ça. Nouveau pouvoir là. La capsule de débarquement, je pas teste encore. Bon, on va aller détruire cette porte. Enraciné. Bah, go! Détruire la porte! Résolument. Tu n'as pas mis le bureau sur les swarm hosts. Ouais, j'ai vu. Les saints triomphent de tout. Alors là, capsule de débarquement, c'est ça. Ah d'accord! Oh putain! Ah ouais, d'accord! Très bien! Notre reine a détruit une porte. Très bien! Pénétrée dans la ville. Très très bien! Très très bien! Très 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 bien. Donc du coup c'est plutôt pas mal cette amélioration. Feu. Très bien, très bien. Je sais même pas quoi faire comme unit. Il est où le point de ralliement? Il est là. Bon, eux, on les garde. On va les garder en groupe 4. Faut pas que je les oublie. J'ai pris tous les yaks primordiaux que j'avais, là. En rab. Et je les envoie au... se faire défoncer au casse-pipe, en fait, tout simplement. Il est où, mon truc? Il est là. Voilà, B2. B2 bien évidemment. Ah mais il y a le prochain atterrissage, j'avais même pas vu. Ce monde m'a. Ah il reste quelques trucs. Voilà, ça c'est mon groupe 2. Ah mais ça reste Mastan quoi. Ça reste Mastan. Masque à phare. Un lanceur de bile est sur le point d'atteindre la surface de Coral. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Tout va pour le mieux. Eh ben, dis donc. Oh là. Petit bug. J'ai quand même l'impression que je récolte du minerai plus vite que dans le vrai jeu. Enfin, que dans une partie personnalisée, je veux dire. Il y en a une B3 qui vient d'apparaître. Bonne nouvelle. Excellente nouvelle, mesdames et messieurs. 40 sur 24 sur la B1. Ouais, je sais, mais parce qu'en fait, on fait des drones 2x2, donc j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Je suis désolé. Un lanceur de bile va atterrir ici, ma reine. Fils de Coral, éliminez la reine des lames. Ouais, c'est ça, ouais. Prochain atterrissage dans 3 minutes. 2, 3. Là, on fait la macro. Hein. Après, on pourra s'amuser. En mode Osef, no care. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, là, on est déjà un peu en mode Osef en fait. j'avoue. Mais bon. Très bien, feu. Ah, maintenant, je peux aller à 200 de pop. Envahissez leur misérable cité. Envahissez leur misérable cité. Regardez les renforts. Wouh. Ah la map s'agrandit. C'est quoi ce bordel? Non ok. C'est normal. Capsule de débarquement, ça coûte 100 de mana. Oh merde. Alors faut savoir que si Kerrigan meurt, on ne perd pas la mission. Elle raise. Elle ressuscite. Je sais, moi aussi ça me fait rire en le disant. Elle ressuscite à votre couveuse 60 secondes après sa mort. Résolument. Donc là vous voyez, hop, mes trucs défendent. Oh classe.
Voilà ma truc. Allez, on va s'en aller. J'aimerais bien finir cette base à coup de banling. Des banoling. Oh, des banoling. Banoling. On n'a pas beaucoup rigolé ce soir. Donc ce soir, là, tout de suite, maintenant, là, maintenant. Oh, y'a Yugo. Je lui demande s'il peut désactiver le bot. Hop. Et je finis les dernières transformations de Zergling en Banling. Oh là, il m'en reste masse. Bon, Zef, allez, c'est parti. Allez, go! Go! Passez par là. Go! Je vous rappelle qu'il se divise en deux Banling quand il meurt. Go, 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 go. Nous devrions créer des unités capables d'attaquer les unités volantes. Go, go. Faire lutter des hydralisques ou des métallisques nous permettra de détruire les ennemis volants. Ça va, j'ai compris. Le lanceur de bile suivant va atterrir. Préparez-vous à le défendre. Meurs. Faites vos prières. Les saints suivent. Meurs. L'étoile de la mort. L'étoile de la mort, c'est trop drôle. Sagarin, emmène ta couvée en ville pendant que je récupère les lanceurs débiles. Oui, ma reine. Les lanceurs débiles? Mais vous êtes malade, ma reine. Il faut pas critiquer, là. D'accord, c'était pas marrant. Et donc là, vous voyez, groupe 4, tac, hop. Et hop, il se téléporte direct, au cas où les mecs débarquent. Trop classe. Allez, Kerrigan. Un petit drap. Un lanceur de bile va atterrir à cet endroit d'ici peu. Un petit drap. Voilà. Gros hack-click des fougères. Ah, masse drone sur cette base actuellement. Très bien. J'ai fait aucune amélioration. Mais c'est pas grave. Eh ben, y a plus d'ennemis. Alors maintenant il faut. Je suis les saints. Faut protéger les atterrissages. Donc, je vais aller par là. Non mais y a rien par là. Voilà, y a plus rien. Y a plus rien à faire. Ah. Donc là vous voyez, hop. Tunnel. Paf. Et grosse défense. Voilà, trop pratique. Oh, j'ai raté. Je crois que d'ailleurs j'en ai un là, ouais. Go, 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 go. Ouais, c'est facile cette mission. Non? Que vous en pensez? Alors, Yugo ne peut pas désactiver le bot, il vient de me dire. Il n'a aucun pouvoir là-dessus. Et il est en train de préparer des tutos pour vous juste après. Il est en train de préparer des tutos, le Yugo, juste pour vous, pour bien débuter dans Heart of the Swarm. Donc ce sera juste après mon stream, juste après la fin de la campagne de Heart of the Swarm, mesdames et messieurs, que nous avons fait d'un trait d'un fil. Vous avez vos ordres. Éliminez la menace Zerg. What the fuck? Qui veut me défier? Je fais ma Zergling. Ah d'accord. C'est nul à chier. La capsule de débarquement. J'ai pas de mana. Merde. Bon, en fait c'était trop nul. La statue. Nous sommes sans limite. Oh merde, j'avais pas vu ça. Je suis les saints. Il me faut des mutas. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils font? Le dernier lanceur de bile est sur le point d'arriver. Préparez-vous à le défendre. J'ai pas fait d'aiguille. Yeah.
Donc ça c'est la première mission. Et après on va devoir attaquer la ville, enfin je pense. On va pas se finir comme ça quand même. 36 sur 24, très bien. Très bien. Bon, mon aiguille elle arrive. Vous avez vu comme c'est vachement plus rapide que le jeu. Voilà. Alors on va avoir le temps de détruire le canon. C'est bien. Piouf piouf. Voilà. 4200 de minerai. Ouais, mais bon, là, les gars, je peux toujours faire des overlords pour baisser mon minerai. Hein. Voilà. Overlords qui sortent instant. Parce que j'ai la super amélioration. Et le minerai qui recommence à monter. 300 de minerai, couveux. Voilà, on a les mutas. On va détruire le gros canon. Ah, ils servaient à ça, les lanceurs de billes. Je peux même pas l'attaquer, vous avez vu. Donc là, à la fin de ça, à la fin de ce truc, la mission se terminera. Très probablement. Oh, je brain le truc. Je fais des damages en faisant des rebonds. Oh là là, trop de brain. Trop de brain. Bon, c'est bon là, c'est fini là. Oh, relou, 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 relou. Ah, relou. Ah non, c'est bon. Ah. Les canons de défense de Cora. Ça s'est pas passé comme ça. Pas du tout. Les se rassemblent à la surface. Détruisez les bases du Dominion. Rebroussez-les vers l'intérieur de la ville. Là, ça y est. Sarah Kerrigan est devenue complètement folle. Elle est mad. Elle veut sa vengeance. Notre conquête se poursuit. Je vais quand même aller explorer là-bas en bas là. Ah merde, trop tard. Allez. Les troupes du Dominion abandonnent le terrain. Allez, Nora. Mes mères et couvées n'est pas leur trou. Voilà, voilà. Fais avancer ta couvée dans la ville. Prends position autour du palais. Voilà, 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 meurs. Mourez tous, mourez tous. On va tuer Megs, enfin, bordel. Ah. Alors j'ai fait quoi là? Ne pas perdre de lanceur de build, détruire trois portes, machin, avant l'atterrissage du 5e. Très bien. Como. Ah. Peut-être la mission finale, mesdames et messieurs, il est 7h24. Et peut-être la mission finale de cette campagne de Heart of the Swarm. J'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. Votre vengeance est proche. Plus rien ne peut l'arrêter. Ne sous-estime pas, Mex. Il est de loin l'adversaire le plus rusé que nous ayons jamais affronté. Si jamais je succombe, tu devras quitter Coral avec les saints. Fuir, ce ne sont pas les manières des Zergs. Mais c'est ma volonté. Tu vas obéir et partir avec les saints à la recherche de notre véritable ennemi. Trouve un homme et détruis-le avant qu'il ne réduise à nouveau les saints en esclavage. À vos ordres. Oula, masse conversation. Masse conversation, c'est parti. Les Terrains ne savent pas que tu es avec moi. Ils ignorent tous les Zergs primordiaux. Nous allons les récolter. Tu vas les surprendre. Ils ont toujours utilisé notre lien psychique contre nous. Les Zergs primordiaux n'ont pas ce lien. Les Zergs primordiaux n'ont pas besoin de ça. Précisément. Nice. J'ai vu plus de Terran que jamais auparavant. Mais d'une certaine manière, ils me font pitié. Comment ça? Ils ont leur nation et leur clan. Mais chacun d'eux est seul à l'intérieur. J'aimerais les aider en apportant leur essence à les saints. Et en les tuant ensuite. Tu restes bien au chaud dans ton palais comme une araignée au centre de sa toile. Mais ta toile tombe en lambeaux, Megsk. Gros palais, du coup. Oh, parcours spatial, portail déverrouillé, Itcha. Nous pouvions échouer de tant de façons que j'ai craint que nous n'atteignions jamais la surface. Mais nous avons réussi. Vous nous avez rendus si puissants. Mais quand vous aurez votre vengeance, vous nous abandonnerez? Je ne fais qu'un avec les saints, Isha. Si nous survivons à ce combat,
Des batailles encore plus grandes nous attendent. Nous les affronterons ensemble. Vous y êtes, sur le seuil de l'ennemi. C'est presque terminé. Je ne crois pas que ce sera si simple. Rien n'est jamais simple avec Arcturus. Ce type est capable de penser à votre place. Il sait où vous allez avant vous. Mais vous avez fait partie de tellement de ses plans, comme complice ou comme victime. Je suis sûr que vous avez dû apprendre ces trucs, non? C'est vrai. Nous allons bientôt savoir si j'ai été une élève attentive. Fausse évolution! Mission d'évolution! C'est pas fini! Sous-futralisque prête pour amélioration. Découverte d'un laboratoire du Dominion sur Coral. Expérience sur des ultralisques. Potentiel de retournement des recherches contre les chercheurs. Mesdames et messieurs, nous allons faire ce qui, je pense, va être le dernier cut VOD de la soirée. Donc je vous dis à dans 1 minute 30, à tout de suite.